Ouais, là ça a l'air d'un engorgement. Ouais, ça coule sur le bouchon, donc c'est complètement bouché. Là c'est complètement bouché, ça coule dans ce sens là. Ah oui, bah là on va le boucher partout sur toutes les collecteurs. Celui-là il est bouché. Bonjour. Là tout ça c'est de l'eau de toilette, c'est bouché partout, ça coule là aussi. Et là aussi. Ah, c'est bouché partout là. Attends, je vais ouvrir la porte. Dans le son provisoire, il y a un regard à ce niveau-là. Donc ce regard-là, il est scellé, je sais pas pourquoi, dans la terre. Et là, du coup, j'ai dû enlever un peu de la terre. J'ai cassé un peu de la bordure pour que l'eau y passe parfaitement. Parce que dans la cave, ça dégueule énormément. Filme ça. Là, il est en train de dégueuler par le regard. Je suis en train d'évacuer petit à petit vers mon caméra. Les égouts généraux bouchés dans la rue, donc là, aujourd'hui, enfin c'est pas dans la rue, c'est au niveau de la cave. Et là dans la terre on a le collecteur avec un trappe qui est complètement fermé avec la terre. Donc là l'eau il est en train de s'évacuer. Ça prend du temps. Un samedi, hein, trempé de l'eau de toilette et tout ça. Donc une journée de merde. Ah oui, oui. T'as vu comment ça coule? Ouais, ouais, tu... Voilà ce que ça fait. Regardez. Le bouchon il continue de sortir. Voilà. Donc là, il y a une grosse racine que je viens de péter. À mon avis, c'est la racine qui a bloqué le regard. Voilà, donc ils ont mis un regard sous la terre. Voilà. Donc là, tu vois, maintenant t'évacues plus loin. Ah, oui. On est en train de déboucher. Voilà. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ah, oui, beaucoup, hein. Il y avait un très gros bouchon. Hein. Là tu sens là là tu sens l'odeur là voilà donc on a pu déboucher manuellement. Et là, il va où? Là il va aller dans le regard général. Là il va aller de l'autre côté. Il y a le regard général là-bas. Ouais. Ouais. Voilà. Vous voyez, très grosse quantité de collecteurs d'eau là. Tout ça, ça a été récupéré là, dans les collecteurs de l'immeuble. Voilà. Le regard là, je sais pas ici. Moi je vais vous montrer, bah là je trouve qu'il y a de la terre et tout ça, donc Ah oui, il y a de la terre. Hein. Ouais. Il y a de la terre ici. Non mais de toute façon, il faut enlever la terre. Hein? Donc là du coup on a plus de débouché, depuis le regard général de bâtiment. Donc voilà. Hop. On va essayer de le fermer, putain c'est assez lourd. Voilà, ça c'est fait. Donc, on pensait qu'il devait y avoir l'évacuation par là. Il y a un regard dans le parking, sauf que non. Non plus. Et là, le regard il était là, donc là du coup, j'avais mis les pieds là, moi je me rappelle. Et là ils ont mis un dalle béton, sauf que là il y a toute la terre qui est partie avec. Ouais. Voilà. Donc là on va plein de résidus de colonne WC, toutes ces cochonneries là. Donc tout il passe par là, il y avait une très grosse regard. Donc l'intervention de samedi réussie. L'intervention de samedi c'est terminé, donc du coup voilà je vous fais voir. Regardez, j'ai pu enlever beaucoup de la terre, donc en fait ce dalle là il était posé là. Entre les deux dalles il y avait l'espace, donc les racines ils se sont infiltrées, ils ont dû décaler les dalles. Et donc du coup bah, la terre elle s'est infiltrée, il y avait des racines et tout ça, donc ça crée des bouchons. Donc là du coup ça c'est le bâtiment B, bâtiment C plutôt, et au fond on a le bâtiment B, donc on a vérifié les caves, le bâtiment B il est surélevé, et donc du coup en vérifiant on s'est rendu compte qu'il y a un seul collecteur de diamètre 200 dans les caves qui va jusqu'au là-bas, et ça continue jusqu'au là-bas, donc une fois qu'il traverse le chemin, et là il va jusqu'au bâtiment B, parce que là on est dans le bâtiment C. Donc bâtiment B il y a trois bâtiments, et bâtiment C il y a deux bâtiments, C1, C2. Donc B1, B2, B3, tout le collecteur il était coincé parce qu'il y avait un très gros bouchon. Et lorsque j'ai débouché, moi j'ai vu dans la rue, vous avez vu aussi dans la vidéo, comment ça coulait.